Plusieurs stars étaient attendues hier soir, mardi 23 mai, à une soirée privée organisée dans le sillage du Festival de Cannes. Parmi elles, Naomi Campbell, Robbie Williams et la désormais célèbre Lena Situation. Il n'y a pas que la montée des marches qui attire du beau monde au Festival de Cannes. Comme chaque année, cet événement mettant à l'honneur le cinéma français et international permet aux cinéphiles et professionnels du milieu de se retrouver dans une bulle hors du temps pendant une douzaine de jours. Au rythme des projections de films, interviews et passages, obligatoires, sur le tapis rouge, les stars présentes lors de cette 76e édition ont déjà offert de beaux moments au public. Nombre d'entre elles sont d'ailleurs apparues en couple ou en famille sur le red carpet. Ce fut, notamment, le cas de Robbie Williams, invité hier soir à une soirée privée avec sa femme. Des célébrités de tous les genres réunies grâce à une marque de bijoux CEST au bras de sa compagne Aida Field, plutôt sobre dans sa robe drapée, que l'interprète de Phil Sest rendu au très chic dîner organisé par la célèbre marque de joaillerie Chopard et le rédacteur en chef du British Vogue, Edward Annaful, ce mardi 23 mai. Élégant dans un smoking tout noir, le chanteur britannique n'est pas la seule personnalité à avoir attiré les flashs des photographes. On peut citer sa compatriote Naomi Campbell, qui n'a pas fait d'extravagance. Avec son tailleur sombre, la mannequin conservait toute sa grandeur. Autre habituée des défilés, Ashley Graham était éblouissante dans sa robe argentée. Couleur se révélant être une valeur sûre puisque Poppy Delevingne, la sœur de la fameuse Kylie, et Lena Situation ont également opté pour des créations arborant principalement cette nuance, à découvrir dans notre diaporama. La créatrice de contenu de 25 ans affichait une mine réjouie, malgré le flot de critiques qu'elle a essuyé il y a deux jours. Lena Situation, une personnalité prise à partie le 22 mai, l'influenceuse aux 4 millions d'abonnés faisait sensation en portant une pièce d'archives de la maison Vivienne Westwood, popularisée par Naomi Campbell 29 ans plus tôt. Composée d'un body et d'une longue traîne volumineuse, la tenue de la vidéaste mettait clairement en avant sa silhouette, qui a été très commentée sur les réseaux sociaux. Au vu des milliers de réactions, parfois virulentes, la jeune femme a adressé un message très fort à ses détracteurs et aux autres personnes victimes de body shaming. À lire aussi Lena Situation violemment attaquée sur sa tenue au Festival de Cannes, elle réplique sur Instagram.